Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bon, ce matin, c'était rangement, enfin toute la journée en fait, on a fait que ranger. Donc du coup, j'ai pris juste un tout petit déjeuner ce matin et j'ai pas trop mangé aujourd'hui. Là, comme j'ai prévu de faire une petite séance de sport, je vais me faire un goûter. Et pour ça, je vous ai déjà parlé de cette marque-là, mais je vais me faire un petit goûter avec du fromage blanc et avec du muesli protéiné de chez Foodspring, puisque comme vous le savez, si vous me suivez sur Insta, j'ai repris sport à fond. Depuis le début du confinement, parce que là, je fais bah, du coup entre 6 et 7 séances par semaine, ce qui est assez énorme. Donc là, je vais prendre le muesli protéiné au chocolat. Donc pourquoi est-ce qu'il est protéiné? Avec les flocons de soja, majoritairement. Et il y a en fait à l'intérieur aussi 20% de chocolat. Il ressemble à ça, il est assez bon. Très sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui flippent dès qu'ils voient le mot protéines, pensent que c'est pas bon, mais je vous assure que c'est très bon. Et forcément, il y a aussi moins de sucre par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres muesli, donc ça c'est plutôt cool. Et en fait, moi je vais le mélanger avec du fromage blanc, mais vous pouvez le prendre le matin en petit déj avec du lait en fait. Donc voilà ce que ça donne, et du coup avec, il y a une option un peu plus gourmande, je vais vous expliquer laquelle. Donc il s'agit d'utiliser les protéines cream, pareil de chez Foodspring. Donc celle-ci, c'est celle que préfère Henri, c'est la double en fait avec le chocolat et le côté blanc aussi. Et en fait malheureusement je vais être obligée d'utiliser celle-ci, non pas que je l'aime pas, mais c'est juste parce que ma préf c'est celle-là, et comme vous pouvez le voir, bah, je l'ai terminée. Mais c'est trop bon manger sur des pancakes et tout, ou alors avec du muesli, mais du coup aujourd'hui je vais utiliser celle-ci. Bon, ça y est, mon goûter est prêt, donc je vais le manger avant de faire ma séance de sport, toujours 1 heure ou 2 heures avant pour bien laisser le temps, bah, l'énergie d'arriver dans votre corps, tout simplement, et pour bien digérer. J'ai un code promo pour vous qui est le code ENJOYFSG qui vous donne moins 15% sur tout le site de Foodspring, sauf sur les produits qui sont déjà en promotion. Voilà, si jamais vous avez envie de tester, s'il y a 2-3 produits qui vous intéressent, moi honnêtement, mon énorme coup de cœur, c'est genre les protéines cream, comme ça vous avez pu voir, je les ai défoncés, j'adore ça. Donc voilà, je vous laisse swiper vers le haut, je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Je sais qu'on m'avait posé pas mal de questions la dernière fois. Je vous rappelle que même si certaines de mes stories sont sponsorisées, je vous parle toujours de produits que j'aime, que j'utilise et que j'apprécie. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je préfère le préciser. De toute façon, je pense que ça se voit. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse ce code promo. Je vous laisse le lien en swipe up. Je vais manger mon goûter et ensuite, comme tous les jours depuis une semaine, je vais faire ma séance de sport à 18h. Là, aujourd'hui, je vais faire une séance. Endroits dans cet appartement. 36 000 endroits. Mais non, Nova, elle se fout toujours. Genre, toujours, littéralement toujours, là où il faut pas. Sérieusement? Nova? T'as un truc à dire pour ta défense?